Mon compte double cette semaine pour Mélina Boëti, qui vous adresse, chers invités, cette lettre entremêlée. Chère Céline, chère Caddy, une lettre aux deux visages, aux deux prénoms, une lettre tout en nuances, un message pour heurter les manichéens, tacler ceux qui pensent que dans la vie c'est soit noir, soit blanc. Oui, car il y a Céline de ville et Caddy dans le champ. Enfin, Céline dans les buts, Caddy devant. L'une est gardienne et veille au grain, l'autre est attaquante et va au turbin. En version originale, sous-titrée français, quand de sa cage Céline dégage, Caddy Diatou dévie dans celle d'autrui. Un message pour heurter les manichéens, oui, car il y a Madame de Ville et Lady Caddy. À 33 ans, l'une pense à son jubilé, l'autre, du haut de ses 20 balais, jubile sur sa destinée. Du mentor à la relève, de l'innocence à l'expérience, 13 ans d'écart pour l'état civil, moins de 100 mètres selon l'état du terrain, toutes deux à fond dans l'état d'esprit. Un message pour heurter les manichéens, oui, car il y a Céline à De Ville comme à la scène et Caddy à Diani comme à l'écran. Avec Montpellier et l'Olympique Lyonnais, Céline a tout remporté, deux clubs pour 10 trophées. En revanche, vierge en club, Caddy a tout gagné avec l'équipe de France. Championne, elle l'est, du monde en 2012, de l'Europe en 2013. Caddy fait partie de cette génération dorée, de bleuettes au talent sacré. Et même Léa, elle a marqué. Un but pour sa première sélection, comme Deli ou Majri avant elle. C'est ce qu'on appelle une intronisation sensation. Alors oui, bien sûr que les opposés s'attirent. C'est en noir et blanc, à Juvisy, qu'elles ont choisi d'asseoir leur complémentarité. Une sorte de yin et de yang sans dualité. Et c'est parce que le foot les rassemble qu'elles sont là ce soir. Un message donc pour heurter les manichéens. Pour travestir Étienne de la Boétie, soyez résolus à faire de leur différence une force. Et les voilà libres.